Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui dans ce cadre naturel, dans la nature, avec le chant des oiseaux. Et ici, il y a un petit chemin. Et quelque chose me dit qu'il y a quelque chose au bout du chemin. Oh, il y a une rivière. Attention, il y a un petit pont, faut pas se mouiller les pieds. Hein. Superbe cadre idyllique. On aura envie d'y piquer une tête. Qu'est-ce qu'Antlaps fait dans la nature ? Il se passe quelque chose. Le Titanic est en train de couler. Il ne faudrait pas qu'il coule, il faut que j'aille le livrer. Je vais prendre la voiture et je vais aller le livrer à l'étranger. Ah bah là du coup, les baskets vont être lavées. Hein. Nous avons ici un nid. Avec petit mangeoir poli, un abreuvoir et les nouveaux mangeoires fusion de couleur bleue. Une superbe finition. Alors ces bacs sont entièrement surfacés pour que la planité soit parfaite. Alors la garantie à 100% qu'il n'y ait aucune évasion et surtout avec les couvercles en verre car le plastique peut bouger dans le temps. Le plastique est bien pour baisser un peu le coût à l'achat. Mais le verre est fortement conseillé. Une superbe finition. Un nid posé sans aucun produit toxique, silicone, colle, peinture toxique, vernis toxique ou autre substance toxique. Nous avons ici, avant de parler du nid, un superbe reflet de l'eau dans le bac aquarium. Et ici, nous avons le nid. Hein. Qui est vraiment très joli avec une entrée là-bas et l'air circule partout. Nous avons offert un petit tube de raccord, comme ça le client ne sera pas embêté. S'il le souhaite, il pourra le couper tout un petit morceau et le mettre directement là. La finition est exemplaire. Une ouverture et une fermeture facile. Aucune colle, aucun silicone pour la grille non plus. Vraiment, aucun produit toxique n'a été utilisé pour ce nid. Ce qui va vous permettre d'avoir une colonie qui évolue et vous n'aurez pas de problème de mortalité intempestive, soi-disant dû au fait que ce sont les premières, les deuxièmes, les troisièmes ou quatrièmes ouvrières, ce qui est totalement faux. En ayant fait l'expérience, si on met les fourmis dans de superbes nids, même les premières ouvrières peuvent tenir 6 mois. Ce composite utilisé est traité anti-moisissure, anti-acarien. Je suis le seul à proposer ce traitement et le nid est équipé du même traitement. Ce qui vous permettra de réussir votre élevage de fourmis et non pas échouer comme beaucoup dans ce milieu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour la présentation de nouveaux produits. Au revoir.